Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler broderie. Alors, comme vous avez pu voir dans le titre, c'est le match broderie, enfin kit chinois contre le kit, enfin contre la broderie du créateur. Vous savez que maintenant, enfin... avant, je faisais que des broderies de créateurs. Bon, j'ai connu l'estampé surtout grâce au partenariat. Et je suis revenue à mes premières amours, c'est-à-dire aux broderies de créateurs. Voilà. Et il y a Fifi. Et bien sûr... je me suis aperçue, bon, comme beaucoup, hein, je ne suis pas la seule à m'en être aperçue, c'est que beaucoup des broderies, les boutiques que moi j'ai en partenariat et les boutiques que vous commandez, bah c'est à 90% de la copie. Mais des fois, c'est de la mauvaise copie. D'ailleurs, je suis en train de le voir en ce moment avec ma broderie pour le sale du nouvel an. C'est devenu une catastrophe. Mais bon, ça, je vous en reparlerai plus tard. Alors, j'ai un modèle de broderie dans les deux fabrications, enfin. La fabrication chinoise et la fabrication de la marque qui fait pour le créateur. Voilà, je vais y arriver. Alors, j'ai choisi. Alors, celui-là, vous allez le connaître. Bon, là, c'est un Joy Sunday. C'est celui-ci. Le manoir de la nuit. Hein, A Quiet Night. Ça s'appelle... La nuit calme, voilà. Donc, le voici. Donc, on va le redéballer ensemble. Hein. Donc, là, c'est le Joy. Bouge ma fifi. Merci. Donc, c'est le Joy Sunday. Là, c'est du 34 sur 62 cm. Et c'est du 14 CT. Voilà. Alors, je vous remontre à peu près ce que c'est, hein. Je vous l'ai déjà présenté, hein, bien sûr, mais... Non, Fifi, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Voilà, je ne sais plus. Excusez-moi. Il y a Fifi qui marche sur la télécommande. donc, voilà comment on le trouve, mais ça, vous savez comment c'est. Hein. Donc, on a la feuille avec le dessin, voilà, je vous montre le dessin, hein. Vous verrez après. On a le patron, comme ça, en papier glacé, hein. Voilà. Et donc celui-ci, on a, je regarde, 32, ouais, 32 couleurs. Voilà. On va avoir du point de croix. Et on va avoir du point de nœud et on va avoir du point arrière. Voilà, donc pour celle-ci, le pseudo Joy Sunday. Bien sûr, on a nos fils, hein, voilà. Bon, je ne vous les remontre pas en détail, hein, c'est pas la peine, mais c'est pour vous montrer, voilà. Donc, c'est-à-dire nos 32 couleur. Bon, c'est le fil, la qualité est bonne, hein. Ça, il n'y a aucun souci. Et on a notre toile, donc qui là, bien sûr, est imprimée. Vous voyez, donc là, on va avoir là, tous les points bleus qu'on a là, ça va être du nœud, c'est le point nœud. Et on a, alors, où est-ce que c'est? Oui, tout ce qui est là,
tous les carrés blancs, par contre, c'est à broder avec le 939. Voilà. Donc, ça, c'est la version chinoise. Voilà. Et maintenant, on a la vraie version qui est fabriquée par la marque Dimension. Donc, certaines d'entre vous, celles qui font surtout le point compté, doivent connaître cette marque. Et bien sûr, on a l'original. Voilà. donc, vous voyez que... Alors, je vous remets l'image à côté. Hop. Vous voyez, bon, c'est bien le même dessin. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Il y a les petits chats aux fenêtres, le chat sur le perron, le lampadaire, tout y est. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais qu'est-ce qui différencie l'original du chinois? Alors déjà, celui-ci, il est en AIDA 18, donc en 18 CT. Et je n'ai pas encore décollé, hein, je l'ai reçu tout à l'heure. Par contre, ça colle bien. Et ben, je vais y arriver. Ah ben, la colle, ils l'ont mis. Hein. Ah voilà, ça y est. Par contre, c'est de la bonne colle. Oh là là. Je reviens. Ah, me revoilà. Eh ben, j'ai eu du mal à le décoller. Hein. Oui, donc c'est du 18 CT. Alors, j'ai un fil supplémentaire. Je vais tout vous montrer en détail. Ah, voilà, chercher le patron. J'ai eu peur. Oh là, pas sûr, il y a une aiguille là qui se promène. J'ai une aiguille avec. Voilà. Non, Fifi, descends. Excusez-moi, j'ai mis mon petit pied, du coup, ça bouge un peu. Alors, ici, on va avoir combien de couleurs? Alors, je cherche en français, parce que c'est écrit dans toutes les langues, là, par contre. Bah, attendez, je vais compter là. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Et j'en ai vu une en plus, 27, 28. Voilà. Donc, là, je n'ai que 28 couleurs. Alors, le patron va... Alors, oui, j'ai du point arrière. Voilà, je cherchais. J'ai du point arrière. Là, c'est du point de croix. J'ai du demi-point de croix. Voilà, ce que je n'ai pas sur l'autre. Et j'ai du point nœud aussi, également, hein, bien sûr. Et du point arrière, mais j'ai du demi-point en plus. Alors, ça c'est le bas. J'ai tout mélangé, j'ai perdu. Alors, vous allez avoir le patron est en deux morceaux. Voilà, donc vous avez des explications. Donc, je vous ai dit, c'est dans plusieurs langues. Hein. Donc, moi je vais regarder en français. Là, au milieu, j'ai le français. Donc, ils nous disent comment commencer, donc comment on prépare notre tissu. Voilà, donc il faut surjeter les bords, bien sûr. Trouver le centre du tissu, marquez-le avec un morceau de fil
Moi, c'est ce que je fais surtout. Des fois, je fais avec un fil rouge ou sur la couleur, avec un fil rouge, je marque le centre de ma broderie. Gardez le tissu tendu sur un tambour de bois ou sur un métier en bois. Vous vous assurez d'obtenir une tension égale et légère pour vos points. Après, on nous dit d'examiner l'organisateur de fil. Donc, toutes les couleurs sont incluses, étiquetées, etc. Bon, oui, là, c'est les fils qu'on connaît. Comment on doit... Alors, séparer chaque morceau de fil en 6 brins simples avant de l'utiliser. Voilà. Ok. Alors par contre, je ne sais pas s'ils me disent avec un fil ou deux fils. Bon, je le lirai à part et je vous remarquerai là en bas de l'écran. Donc après, ils nous expliquent l'ordre de travail, travailler les points de croix, voilà, etc. Et derrière, alors, ils nous montrent les exemples de points, voilà, les points de croix, les demi-croix, le point arrière et le point de nœud. Voilà, donc ça, c'est les explications que vous avez. Le patron, lui, le voici. Alors, ça, c'est la première partie. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pareil, hein, mais à part que bon, là, le patron est dans une couleur plutôt noire, rouge, grise. On va avoir. Bon, je vais le plier en deux, ce sera plus facile. Vous voyez, pareil, là, tous les petits points, ça va être les points de nœud. Là, on va avoir des demi-croix pour faire un peu les nuages. Mais on ne va pas broder le fond. Je vais vous montrer pourquoi après. Et c'est pour ça que eux, ici, ils prennent, ils récupèrent la photo, si vous voulez. Alors, je remonte. Eux récupèrent la photo qui est là. Et leur ordinateur sort toutes les couleurs, comme le logiciel va leur sortir toutes les couleurs. Mais il va leur sortir aussi la couleur du fond, ici. Voilà, et c'est pour ça que là, on va le broder, on va devoir broder le fond, et là, non. Hop, pas mélanger les kits. Là, sur le côté, vous allez avoir toutes les couleurs. Alors, ce n'est pas des références DMC, par contre, hein, chez Dimension. C'est leur propre fil. Donc, ici... Oui, voilà. Ici, vous avez les noms des couleurs. Donc, vous les avez pareil dans trois langues, anglais, français et c'est espagnol ou italien. Alors, il y a du rose clair, du rose foncé, du mauve, la pêche claire, pêche, pêche foncée, orange clair, jaune vert pâle, vert clair, vert, bon, etc., etc., etc. Ici, vous allez retrouver les symboles. Voilà. Et à côté des symboles, vous avez le nombre de... Ben voilà, c'est ça que je cherchais. Le nombre de brins. Alors, je vous montre. Vous voyez? Là, il y a un 2, par exemple, entre parenthèses. Donc, ça veut dire que pour faire ce symbole ici, il vous faut 2 brins de fil. Et si on descend ici, alors celui-là, c'est le demi-point. Voilà, le demi-point, vous voyez, il va vous falloir un brin de fil seulement. Donc là, en fait, si vous achetez un dimension, faites bien attention. Il y a des moments où on brode avec deux fils, il y a des moments où on brode avec un fil. Et de l'autre côté, alors, ouais, sur celui-là. Donc là, vous avez le reste du patron. Voilà. Et ici, alors,
Là, il y en a un où on va broder avec quatre fils. Alors, il y a du point arrière qui va se broder en un fil, il y a un point arrière qui se brode en deux fils, un qui se brode en quatre fils. Et pour les points nœuds, pareil, il y a des points nœuds qui vont se faire avec quatre fils, deux fils ou un fil. Donc là, il faut faire attention par contre. Mais au moins, là, la broderie, vous allez la voir vraiment en détail, vraiment beaucoup plus minutieuse. Voilà, puisque là, il va y avoir des... Là, celui-là, c'est du 14CT. On va mettre du 2 fils partout. Voilà. À part pour le point arrière, si vous faites en un fil, mais vous allez mettre du 2 points, du 2 fils partout. Le point de croix ici. Alors, j'ai des points de croix où il faut un fil, un brin. Et j'ai des demi-croix où il faudra deux fils. Deux fois deux fils, une fois qu'il faudra un fil. Voilà. Ah non, 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 non. Autant pour moi, je me trompe. Là, c'est les couleurs combinées. Ah, voilà, du coup, vous avez aussi des couleurs combinées. Ce que vous n'avez pas ici. Ici, les couleurs vont être plates. Voilà, c'est tout. Tandis que là, vous avez des couleurs combinées. Donc, combiné, ça veut dire que, par exemple, là, vous allez avoir un rose clair et un pêche clair. Et donc, il faudra mettre un fil de chaque. Voilà. Bon, peut-être que pour certaines ou celles qui sont vraiment débutantes, elles vont trouver ça un peu compliqué. Mais vous suivez bien la légende, c'est tout. Alors, j'ai bien tout dit pour la légende, oui. Donc, il y aura des points nœuds. Alors, le noir, il y a des parties en noir pour le point arrière qui sera en un fil, deux fils ou quatre fils. Voilà. Et le point nœud en noir sera en quatre fils. Après, le gris clair, ce sera du deux fils. Et le blanc, vous aurez des points nœuds en un fil, des points nœuds en deux fils, des points nœuds en quatre fils. Voilà. Et derrière, on retrouve... Ah ben non, c'est ce que j'ai là. C'est les mêmes, c'est les codes de couleurs qu'on a ici. Voilà. Donc là, c'est... On va, quand on va le broder, le résultat va vraiment être minutieux. Ça va être vraiment ce que l'on a sur l'image. Voilà. Pas comme ici. Voilà. Ici, il n'y a aucune nuance. Voilà. Là, vous allez mettre du bleu. Ce sera que du bleu, un seul bleu, par exemple. Quand il faudra mettre du jaune, ce sera qu'un seul jaune. Voilà, etc. Après... Vous allez me dire, oui, mais il y a le prix, bien sûr. Le prix n'est pas du tout le même pour... je vais vous montrer la toile, je ne l'ai pas encore montré. Le prix n'est pas le même du tout. Ça, je vais vous en reparler après. Alors, pourquoi ici, on ne va pas broder le fond? Parce que là, je vais la mettre en double, sinon ça, on va voir en transparence. La toile est bleu marine. Voilà. Et voilà pourquoi eux, quand ils ont pris la photo, le bleu marine de la toile, pour eux, ça sort comme s'il fallait le broder. Voilà. Et c'est ce qui arrive pour 90% des toiles comme ça. Voilà. Donc là, vous allez avoir... Alors, je vais essayer de vous montrer. Hop. Ben là, je vais vous montrer en transparence. Vous voyez, donc c'est une super bonne toile. Coucou. La toile est très belle. Elle est, vous voyez, elle est pas rigide, hein, elle est souple, juste ce qu'il faut. Alors avant de commencer, il faudra que bien sûr je fasse le bord à la machine, hein, pour pas que ça s'effiloche. C'est tout. Alors, par contre, celle-ci, elle mesure
Alors, 20,3 sur 43,1. Voilà. Alors, on va mesurer les deux toiles pour voir la différence. Alors, normalement... Alors, on va mettre tout en haut, hein. On va faire le... On va jouer le jeu. Voilà. Vous voyez, il y a déjà une différence. Sans compter les bordures. Mais sinon, la toile, elle fait à peu près la longueur du dessin de là. Mais là, ça va être beaucoup... Les croix vont être beaucoup plus grandes. Voilà. Donc, la toile est plus grande. Et vous aurez moins de... Comment ? Moins de détails. Voilà. Celle-ci, vous allez avoir tous les détails de la broderie. Vraiment. Alors, vous allez me dire, bon, ben, c'est du bleu marine. Pour broder, ça ne va pas être top top. Alors, celles qui sont comme moi, qui ont une vue de top... si vous avez une tablette lumineuse, si vous faites du DPD, normalement, enfin normalement, la plupart ont des tablettes lumineuses. Vous mettez la tablette lumineuse sur votre table ou sur vos genoux et vous brodez comme ça. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il y aura de la lumière par en dessous. Et moi, en plus, je brode avec ma lampe loupe, donc il n'y aura pas de souci. Donc, voilà. Donc là, c'est vraiment la toile réelle. Bon, bien sûr, alors ceux qui connaissent Dimension vont peut-être me le dire, Dimension n'est pas fabriquée en France, ouais, bah comme plein de choses. Hein. Mais c'est peut-être pour ça qu'il y a, malheureusement, il y a des copies. Il y a énormément de copies de Dimension dans les boutiques chinoises. Je vais vous les montrer après, mais on comprend comment ils ont les copies. Alors, les fils sont très longs. Alors, je vais vous montrer. Voilà comment c'est la réglette. Et voilà. Alors, c'est collé derrière. Vous voyez, il y a une... Voilà, c'est coincé entre deux cartons. Donc, vous allez couper votre fil ici à ras. Voilà. Donc, voilà, on a les références qui sont là. Et voyez, on a... voyez les petits traits là. Là, on en a deux. Ben oui, parce qu'on a deux fils de 6 brins. Là, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, là, on en a 5. Là, on en a 6. Là, on en a... Je vois plus clair, hein. C'est grave. Catastrophe. 13. Là, on en a 13, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, oui. Là, j'en ai 13. Alors, celui-ci, je vous montre. Là, vous n'en voyez qu'un. Vous voyez, c'est le noir. Parce que le noir, ils nous l'ont mis à part. Voilà. Voilà, le noir, on l'a comme ça, ici. Donc, avec une petite étiquette, ça floute, je suis désolée. Donc, sur l'étiquette, c'est marqué 91 cm x 16. Voilà. Donc, c'est des... J'ai pas mon mètre là avec moi, mais c'est 91 cm de fil. Oh, j'ai le nez qui gratte. Quelqu'un a envie de m'embrasser. Donc voilà le premier et le noir, et voilà donc le deuxième. Donc là, vous voyez, il y en a beaucoup, donc ils disent qu'il y en a 14. Voilà,
c'est marqué là. Alors, ça floute. Du coup, vous ne voyez pas. Bon. Mais croyez-moi sur parole. Donc, voilà. Hop. Alors, le fil est doux. Le fil est brillant. Vous voyez, il est quand même très, très joli comme fil. Alors, ça va être des couleurs, des belles couleurs. Bon, on a un peu de rose, on a du bleu, du beige, un peu d'orange, du bleu ciel, plusieurs marrons, hein, du gris, des beiges. Voilà, on a pas mal de couleurs. Je crois que je vous ai tout montré. Donc, voilà, on ne brodera pas le fond. Et donc, niveau prix, par contre, bon, comme vous le savez, il y a une différence. Le Joy Sunday, lui, est dans les 11 euros. Voilà. Par contre, le Dimension est dans les 31 euros. C'est beaucoup plus cher, ok, mais le résultat va être 10 fois mieux. Voilà. Donc, je vais prendre plus de plaisir à broder celui-ci que à broder, que je ne ferai pas, hein, qu'à broder celui-là. Voilà. Et c'est donc pour beaucoup de créations, donc surtout chez Dimension. Alors, je vais vous montrer. Voilà déjà. Alors, les photos vont vous parler, hein, les photos vont vous parler. Vous voyez, celui-là, on le voit même en DP. J'essaye de vous montrer ce qu'on a. Alors, attendez. Hop. Voilà. Alors, j'essaie de vous montrer ceux qui sont le plus connus. Tic, 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 tic. Il est où? Il y en a un que j'avais vu. Alors, il y a énormément, hein, de kits chez Dimension. Voilà. Il y a celui-là. Pareil. C'est un kit de chez Dimension. Alors, celui-là, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je ne sais plus dans laquelle de boutique. Hop. Voilà. Mais c'est un Dimension. Alors, j'en ai parlé sur mon groupe. On va sur Etsy et on pense acheter des grilles directement du créateur. Et c'est comme ça que j'ai commandé le kit Dimension. Bon, là, je l'ai commandé je l'ai commandé sur Amazon. Oui, j'arrivais pas à commander sur le site Dimension. Donc, bon, je l'ai pris chez Amazon, c'est pareil. Et j'ai vu ce dessin, celui-ci, hein, celui que je suis en train de vous présenter. Alors, il est vendu en kit et il est vendu en toile seule, en grille seule. La grille à moins de 3 euros, hein, et le kit, je ne sais plus dans les... Alors, en plus, il était plus cher que là, je crois. Il était dans les 40 euros ou 60 euros, un truc comme ça, je ne sais plus. Mais après, du coup, quand je veux choisir un truc, je fais des recherches et là j'ai cherché et c'est là que je suis tombée donc avec cette vendeuse. Et là, bon, c'est une ukrainienne, voilà, mais qui ne vend que de la copie. Voilà, donc sur Etsy, faites attention également, faites des recherches avant de passer votre commande, si vous voulez acheter absolument la grille du créateur, chez le créateur. C'est pas difficile, hein, pour vous savoir. Vous cliquez
sur l'image, vous faites un clic droit, recherche image par Google, et vous allez avoir sur le côté de votre ordinateur. Sur le téléphone, il faut capturer l'image, mais c'est pareil, sur Google, vous avez un petit appareil photo sur Google, vous appuyez dessus et vous avez la recherche, et vous allez avoir partout où cette broderie est vendue. Et c'est là que vous allez vous apercevoir que tous ceux qui n'ont pas ça, qui n'ont pas par exemple ici dimension, pour cette toile-là par exemple, ben, ce sont que des copies. Voilà. Donc, faites bien attention à ça si jamais vous voulez vraiment acheter chez les créateurs directement. Et c'est comme ça que j'ai trouvé cette créatrice qui faisait qui vendait que de la copie. Et elle vendait beaucoup de kits, en blanc par exemple. Alors celui-là, vous le connaissez aussi. Hein. Non. Voilà. Là-bas. Regardez, on le voit avec sa pochette dimension. Voilà. Vous l'avez. Oh, pardon. Vous l'avez déjà vu. Hein. Vous avez vu que moi, je l'ai justement. Je l'ai en point compté, mais en version chinoise. Là, cette version-là. Alors, je vais aller voir dessus. Vous avez la toile, pareil. Ça c'est les fils, ok. Ah, j'ai pas l'image, mais il y a des perles avec, voilà. Et dans la version chinoise, vous n'avez pas les perles. Et là, est-ce qu'il me dit sur quelle toile c'est? Oui, là c'est une Aïda grise, 16 points. Donc, si vous la prenez sur les sites chinois, bah, c'est une toile blanche, Aïda, blanche, 11 CT, 14 CT. Voilà. Donc, il y en a plein comme ça, qui sont copiés. Et maintenant, bah, j'essaye de faire vraiment attention. J'étais en train de regarder parce que j'en avais vu une autre, bien sûr. Va-t'en, il ne veut pas s'en aller. Mignon, va-t'en. Ah, voilà. Allez, où? Voilà, celui-là, pareil, vous avez déjà dû le voir. Alors, il existe en DP, il existe en broderie. Et c'est un dimension également. Voilà, je peux vous en montrer des dizaines. Hein. Je peux vous en montrer des dizaines. Et il y a également, vous retrouvez quand même également. Alors, il y a sur Etsy, là c'est la créatrice. Je vais essayer de vous le retrouver. Là, les kits, moi, sont en haut, mais j'ai les kits version chinoise. Allez, alors mes boutiques favorites, voilà. Est-ce que c'est celui-là? Je sais plus. Hop. Voilà, me voilà. Hop, celui-là va vous parler, hein. Là c'est la créatrice, c'est la vraie créatrice, c'est pareil, vous le trouvez en kit chinois, voilà, en copie. Alors que là, bon, là la grille est à 8,48 €. Bon, bien sûr, vous n'allez pas avoir la toile, vous n'allez pas avoir les fils, mais vous aurez quand même la bonne conscience d'avoir acheté au créateur. Voilà.
Donc, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même intéressé, vous aura un peu renseigné sur ce qu'on trouve. Sur les... Alors, vous allez me dire, tu es vraiment de mauvaise foi parce que ouais, y en a certaines qui vont se dire ça, que je suis de mauvaise foi ou que je suis culottée parce que bon, bah, j'ai des partenariats avec les boutiques chinoises. Oui, mais vous voyez que maintenant je prends de moins en moins de broderies et les broderies, beaucoup vont être mises de côté pour des concours. Ou, voilà. Moi, je n'arrive plus de toute façon à broder sur de l'estampé. Voilà, il faut vraiment, comme dernièrement, là, peut-être le chat, voilà, il faudrait que ce soit un modèle qui me plaise, mais alors énormément pour que je le fais. Et être sûr que c'est pas celui d'un créateur, voilà. Mais bon, oui, je suis peut-être de mauvaise foi, mais bon, j'ai des partenariats, ça me permet de vous présenter du matériel, ça me permet quand même de vous présenter des broderies, parce que je sais bien que beaucoup d'entre vous, moi la première, hein, là je l'ai acheté, c'est pour vous montrer, bon, je vais le broder bien sûr. Mais c'était pour vous le montrer. On n'a pas tous les moyens d'acheter des broderies directement des créateurs ou directement des fabriques originales. Originelles, originales. Non, originales. Voilà. Donc, je sais que les kits comme ça, beaucoup d'entre vous vont toujours les acheter. Voilà. Et c'est plus côté finance, ou alors c'est à cause de l'estampé parce que vous ne savez pas faire du point compté. Voilà, ça se peut aussi. Donc voilà, pour cette broderie. Bon, je vais la faire, hein, donc un petit peu à la fois, je vous montrerai le résultat. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui. Du coup, avec ma commande Amazon, entre autres d'autres commandes, je me suis repris. Hop, il y a un plastique, je vais l'enlever. Je me suis repris. Vous savez que j'ai beaucoup de fil. Voilà. Je me suis repris donc, hop, le papier. Une boîte comme ça. Là, c'est la boîte DMC. Donc. Ouais, ça avait été collé. Non, ça va. Je pourrais le passer à l'eau. Ils ont mis de la colle sur le. Oh, ça c'est bien ça. Oh, c'est trop chouette. Ah ben, justement, je le voulais. J'ai la liste derrière de toutes les références DMC pour le fil mouliné. Ah, oh, ça c'est trop top. Voilà. Alors, non, c'est la colle. Je cherche où elle s'ouvre. Ah, voilà. Alors, j'ai avec, bon, ça par contre, j'aime pas. Des cartonnettes en carton, voilà. Mais bon, en carton, j'aime pas. Et voilà l'intérieur. Donc là, j'en ai un grand. Et après, j'ai un, deux, trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai 16 compartiments pour mettre mes fils. Alors, je ne sais pas combien je vais pouvoir en mettre dedans. Est-ce qu'ils se mettent dans ce sens-là? Ouais, dans ce sens-là. Donc, ça va me faire 1, 2, 3, 4. Je pense que je peux en mettre 5 par. Alors, est-ce qu'ils me le disent là-dessus? Oui, pour 108 couleurs, pour 108 échevettes. Et on voit, alors c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bon, on en met 6 par compartiment. Voilà. Combien j'ai payé cette petite boîte? Je vais vous remettre le prix, mais je sais que c'était dans de 13 euros, je crois. Voilà.
Alors celle-là, je l'ai pris pour mettre. Voilà, j'avais pu la fermer. À mettre mes fils que je reçois là, par 100, par 150. Voilà. Bon, ah voilà, j'avais pu la fermer. Bon, là, il y a un peu de colle, mais juste à l'eau, ça va partir. Et donc, c'est bien marqué DMC dessus, ici. Oui, je sais pas si... Donc, comme ça, vous voyez encore moins. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Bah, écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. Si vous avez des questions à ce sujet... au sujet des broderies chinoises pardon contre les broderies de créateurs ou de marques des vraies marques bah écoutez, n'hésitez pas à me poser vos questions sous la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Là, celle-là, je ne sais pas encore quand est-ce que je la commencerai parce que j'en ai plusieurs de commencer, mais bon. Souvent on dit ça, hein, et puis on la commence. Donc je verrai. Mais de toute façon, vous le verrez hein, en vidéo, vous le verrez sur le groupe. Je vous montrerai son avancée. Oh, excusez-moi. Alors, je ne sais pas si... Ce qui serait bien, c'est que je la fasse en duo à notre rythme. Mais que je la fasse en duo avec quelqu'un qui la ferait dans cette version-là. Voilà. Et ça nous permettrait comme ça de voir bah, la différence entre les deux. On verra. Je vais essayer de voir qui peut le faire en duo avec moi. Puisque là, pour l'instant, avec Elisa, on a complètement mis de côté le 18CT. Hein, on va s'y remettre, mais plus tard. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous laisse pour aujourd'hui, je vous fais plein de gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.